Nous ouvrons cette édition par la visite du ministre Boaké-Fofana suite aux inondations du jeudi 13 juin 2024. Vêtu d'un imperméable et d'une paire de bottes, le ministre est prêt pour une visite terrain. C'est sous une pluie battante que Boaké-Fofana, ministre de l'assainissement, de la salubrité et de l'hydraulique, a visité les sites inondés suite à la grosse pluie qui s'est abattue sur la ville dans la journée du jeudi 13 juin. Ici, à Bingerville, le directeur général de l'Office national d'assainissement et de drainage explique au ministre les raisons de la montée des eaux. Boaké-Fofana s'est également rendu au quartier Blue Rock de la rivière à Palmeraie. Toutes ces parties où nous sommes arrêtés étaient inondées pendant la partie forte de la pluie. Vous savez, nous avons des ouvrages soit de retenue d'eau, soit de canalisation des eaux de pluie. Et il est important pour nous de vérifier que ces ouvrages fonctionnent. Comment nous pouvons savoir que ça fonctionne? Quand il y a une montée des eaux, parce que la pluie est très intense, il faut que cette pluie puisse repartir assez rapidement, que le niveau d'eau baisse assez rapidement. C'est ce qu'on voit. Il y a quelques heures, ici, c'était inondé, mais le niveau d'eau a baissé très rapidement. Cela veut dire que les ouvrages qui sont construits fonctionnent. Le ministre invite les populations à plus de vigilance. Il a promis que des travaux seront entamés après la saison des pluies pour un meilleur épanouissement des populations.